and I'm watching the rise. And I wouldn't say I'm shocked, cause I'm hardly surprised. This one's for the ride, this one's for who knew I'd make it, just needed some time. Eh bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo sur Grand Utopia, deuxième épisode en tout cas avec notre entreprise. J'espère que vous allez bien, on est au taquet aujourd'hui pour cette nouvelle livraison, donc on est évidemment à Krautergersheim comme vous vous en doutez, et on va transporter de la farine. Voilà, attention à ne pas me faire rouler dans la farine, et on va aller direction Utopia, Louchardville, ici, chez Lisette Logistique, qui va nous faire une petite route sympa. On va rouler sur la nationale. On va surtout passer ici ce quai qu'on pourrait faire ici directement. Je sais pas si c'est plus long ou pas. 24 minutes, 17 minutes, 29 minutes. Ok, donc le plus rapide c'est de passer par le bateau, très bien. Pas très logique. Mais bon voilà, en tout cas on est avec ce magnifique Scania 730, bien évidemment. On va rentrer à l'intérieur et puis on est tout simplement parti, j'ai envie de dire. J'espère que vous allez kiffer cette nouvelle vidéo, et si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, et évidemment un grand merci à vous pour le soutien. Merci beaucoup à vous pour vos retours sur la dernière vidéo, ça m'a fait très plaisir de voir justement vos commentaires à ce propos. Et justement, j'y vais, et justement pour ce qui est de la prochaine mise à jour de Grand Utopia, donc puisque vous le savez, là dans la dernière vidéo j'ai eu entre guillemets l'exclusivité de rouler dans ma propre VTC, donc avec les remorques M Company, et c'était pas encore dispo au grand public. Et ben normalement, si je dis pas de bêtises et si je m'avance pas trop ou alors en tout cas ça se joue à quelques jours près, et ben en théorie au moment où cette vidéo sort là, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement la mise à jour est dispo. Donc je crois que dans la mise à jour il y aura pas grand changement sur Grand Utopia, sauf cette VTC en plus. Bon, en tout cas voilà, je vous tiendrai au courant, je mettrai en description s'il faut, s'il y a même d'autres mises à jour. Mais en tout cas voilà, normalement vous allez pouvoir les rouler là dès que cette vidéo sort, si tout se passe bien. Et sinon c'est pas grave, c'est juste une histoire de quelques jours. Mais donc voilà, merci à My Godness. Là on va pas trop faire trop nombriliste, donc je vais pas continuer d'en parler des 100 et des 1000. Mais en tout cas voilà, donc on est parti pour de l'exploration sur une nouvelle route. Là on est en bord de mer et c'est juste génial. Sur cette petite... Oh là, le virage était pas terrible. Sur cette petite départementale. Oui, c'est une départementale. Alors c'est la... J'arrive pas à lire sur le GPS. On va essayer de lire. La D23, voilà. On est sur la D23 en partant de Krautergersheim. Voilà. On n'est pas trop mal. On est avec un beau petit camion. Alors oui, aussi juste pour répondre à la question, parce que je l'ai pas fait, je voulais pas m'embrouiller dans les commentaires. Mais je pense que c'est toujours intéressant à savoir. Mais dans la dernière vidéo, je roulais avec un Iveco et je disais voilà, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Et il y en a en commentaire qui m'ont dit mais c'est quoi ton problème avec Iveco? J'ai pas de problème, j'ai juste le droit de... Moi je suis pas connaisseur, j'ai juste des préférences, c'est tout, c'est comme ça. Après voilà, hein, si t'aimes pas le hachis parmentier, je vais pas t'embrouiller en disant c'est quoi ton problème avec le hachis parmentier. T'as un problème avec le hachis parmentier? Voilà, si t'aimes pas le hachis parmentier, c'est ton problème, c'est pas... Voilà, c'est... Donc bref, tout ça pour dire que... Bon après, si on en mange trop, c'est un peu terrible aussi, hein, je suis bien d'accord. Et voilà, bon bref, on arrive déjà dans la ville, hein, parce que mine de rien, Utopia c'est une grande ville, et c'est un petit trajet qu'on fait aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. J'ai réessayé le track hier, voilà, juste pour la petite parenthèse, pour ceux que ça intéresse. J'ai réessayé le track hier et j'ai pété un câble. Voilà, ça ne fonctionne toujours pas comme il faut. En fait, avec les éclairages, ça détecte mal. C'est chiant, voilà, donc tant pis. Moi, je voulais redonner une quatrième chance au track hier, mais bon, finalement, c'est sans appel. Hein. Voilà. Mais si je suis le seul à avoir des problèmes, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Ah, ça va faire du bien, là, de découvrir la ville en 4K. En 2K, pardon, je me suis un peu enflammé. Et puis voilà. C'est une zone portuaire, ne l'oubliez pas. Donc c'est pourquoi nous voyons un bateau sur ce rond-point. Ah oui, là, je me souviens, par contre. Ah, j'ai beaucoup roulé par ici. Hein. Ah, là, je m'en souviens très bien. Tac. Voilà. J'ai jamais pris ce virage comme ça, forcément. Faut que j'aille où là? Ah oui, là on va prendre le ferry là, ouais, très bien. Enfin le ferry, le bateau, je sais pas comment ça s'appelle. Hop. Par contre, il y avait un truc que j'avais zappé et je pense que ça va être un vrai plaisir, ou pas, mais ça va être trop stylé, c'est qu'on va pouvoir... on va pouvoir refaire la Joséphine et la route du paradis. Faut que j'aille où là? À droite. Je vais pouvoir refaire la Joséphine et la route du paradis. Je pense que vous avez hâte de me voir galérer.
Moi j'ai pas spécialement hâte, mais par contre ça va être assez rigolo. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent pas, la Joséphine c'est une route très compliquée, voire impossible. Et je crois que je l'avais jamais terminée avec une remorque. Après j'avais pas le camion adapté. Et la route du paradis c'est une route bien dans la neige. C'est pas une route compliquée, mais elle est dans la neige. Et donc c'est un petit peu terrible. Mais donc voilà. Doudoudoudou. Ta-da-da-da. Ça fait du bien de revenir ici là. Ça sent la marée. J'ouvre la fenêtre. Voilà. Comme ça on est pas mal. Et pareil les gars, vraiment n'hésitez surtout pas en commentaire. Je vois que vous êtes timide à ce niveau là. Mais si vous avez des idées de mode, n'hésitez pas à les proposer les gars. Au pire c'est non. Mais je veux dire vraiment n'hésitez pas à proposer. Comme ça on met plein de mode et on se fait plaisir. Moi il faut que j'aille là. Oula, oui. Utopia Centre. Allez c'est parti. Utopia Centre-Ville Découverte. Bien sûr. On est tout bon, on est reparti, on n'a pas de frein. Ok. Casino Royal, et je suis en train de regarder là sur le GPS. Casino Royal, j'ai jamais vu ça. Ça me dit rien. J'ai envie de faire un détour. J'ai envie de faire un détour les amis. Prochaine coupure, temps restant 14h. Ouais, j'ai le temps de ouf. Oh les gars, j'ai le temps de ouf là. Venez, on fait un petit détour là, non? Parce qu'il faut qu'on découvre un petit peu quand même. Casino Royal. Ok, bah déjà on va passer par là, ça c'est clair. Utopia Clermont, bon là je pense qu'on aura des livraisons donc on va pas faire ce détour là, ce serait débile. Non mais juste voir le casino et après on revient là sans problème, ok. Y'a pas de point d'interrogation sinon, non, ouais, non. Et attendez juste, et là y'a pas un point d'interrogation qui traîne, non? Ah là y'en a un. Oh c'est un petit peu pénible. Ah bah voilà, parfait. Voilà. Bah du coup, non mais attends. Je vais faire de la connerie là. Voilà. Et là-haut y'a pas de point d'interrogation. Ok. Allez, on y va, les gars. Donc, du coup, c'est même pas des vrais détours hein, qu'on fait, donc tant mieux. Doudoudoudoudou. Allez, c'est parti. Je referme un peu la fenêtre. Commence à faire froid. Doudoudou. Utopia Bus Station. Oui, parce que y a des bus aussi qui roulent. Je sais qu'il y en a beaucoup qui roulent en bus et il y a tout un truc sur Grand Utopia. Ça a l'air très sympa, mais moi, je suis pas bus. Hein. Clairement, c'est pas ma cam, donc on va rester en camion. Mais je sais qu'il y a beaucoup de trucs qui se font. Avec les bus. Et c'est stylé. Voilà. On va vraiment faire gaffe. On va éviter de faire des accidents. Par ailleurs, vous m'en direz des nouvelles. Mais on le fera. Mais comme ça, vous le savez. On va cheater pour les prochains épisodes. On va se donner de l'XP. Pas forcément de l'argent, mais de l'XP. Parce que le problème, c'est que quand on n'a pas beaucoup d'XP au début, surtout sur Grand Utopia, c'est très compliqué du coup. Vu que c'est une échelle 1-1 et donc c'est des petits trajets. Bah surtout on gagne pas beaucoup d'argent. Donc avec plus d'XP on a plus de livraisons à faire, plus sympa, donc pour faire du meilleur contenu. Et des grandes cargaisons, tu vois ce que je veux dire, des convois exceptionnels, c'est un truc que j'ai hâte de faire. Mais aussi ça rapporte plus d'argent du coup. Donc voilà, on va cheater un petit peu au niveau XP. Si ça vous dérange pas, vous m'en direz des nouvelles. Si jamais vous me dites non stop ne le fais pas, et alors je le ferai pas. Mais sinon si ça vous dérange pas, voilà, on va faire ça. J'ai pas compris où était le casino, je suis un petit peu débile. Je pense. Je pense que c'est juste une place, hein, le Casino Royal. Bah oui, il y a une grande roue derrière. Ouais, c'est une place, je pense, le Casino Royal. Bon, tout ça pour ça. Ils ont l'air un petit peu tristes, là, dans cette ville, quand même. Ils sont pas heureux d'avoir une belle ville comme ça. Ok, ça fait du bien, un petit peu de ville. Voilà. C'est chiant de faire de l'autoroute à chaque fois. Là, au moins, voilà, on a des petites routes comme ça, des petits trajets... permet de découvrir, enfin d'avoir d'autres types de paysages. J'entends un hélicoptère. J'entends un ouloucoptère. Il est où l'ouloucoptère? Je peux pas le voir là. Faut que je me mette en caméra libre. L'ouloucoptère! Je sais pas où il est, mais le feu est vert, je crois. Le feu est vert. J'y vais. Excusez-moi, hein. Je suis un petit peu dissipé. J'ai l'impression que je suis jamais allé là. En tout cas, j'y suis allé qu'une seule fois, c'est sûr. Si je suis déjà allé là, j'y suis allé qu'une seule fois. Ça c'est la classe hein. Ça c'est la classe à Dallas hein. En plus avec les bagnoles là. Ça rend sympa hein. Oh non, on va prendre l'autoroute A7. Bon, ce sera pas long. Ce sera pas long, mais on va avoir une petite portion d'autoroute. Ce sera même très court je pense, mais ouh, la plage. Sur la plage. Coco Caline. Si je peux. Bon bref, allez let's go. Il y a une tour radio là, c'est comme sur Far Cry. On va aller la faire, let's go.
Allez, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On pousse, on pousse, on pousse. Oh putain. Bah ouais, mes frères, sois intelligent. J'arrive en camion, je peux pas m'arrêter. Après, c'est la merde. Moi, j'avoue, je suis peut-être un peu en tort, mais bon, c'est pas grave. Oh, c'est stylé, les panneaux qui clignotent. Non, les gars, je suis jamais allé là, du coup. C'est une 3 voies. Ok. Une 3 voies dans un virage comme ça, là. Pourquoi pas. La tour Eiffel, mais bien sûr, mais putain, j'avais oublié que c'était ici. Oh, la classe à Dallas. South Europe Avenue. L'avenue de l'Europe du Sud, hein, pour les anglophobes. Moi, je vous explique, hein, moi, je suis très bon en anglais. Je vous fais toutes les traductions que vous voulez. Mais c'est super sympa. J'ai fait une miniature, là. Mais je sais pas, je pense que je vais en refaire d'autres, là. En plus, avec la tour Eiffel, je sais pas si je vais faire une miniature avec la tour Eiffel ou pas. Là, faut que j'aille où, là. Stade de Michelin, Tour My Godness. Je sais pas où je dois aller, voilà, donc je vais rester ici. My Godness Tower, la tour de My Godness. Je sais plus à quoi elle ressemble. J'ai à gauche. Bon bah désolé My Godness, je ne vais pas voir ta tour. Mais on ira la voir une fois, promis. Malter, Loucharville. Tac, voilà, là on sort direction Montmorillon. Très bien. Montmorillon, Utopia Nord. Oula, le ralentisseur il a du mal, hein. Oh là là. Hop, Utopia Nord. On va dans la zone nord. La BAC Nord. Knor, j'adore. Ah oui, d'ailleurs, petite subtilité, vous le remarquerez de toute façon, mais maintenant, toutes les livraisons que je fais en vidéo, de toute façon, elles sont de jour. Voilà, obligatoirement, elles sont toutes de jour. Alors vous me dites, si des fois vous voulez qu'on fasse de nuit, c'est pas un problème, ça change. Mais bon, là, on essaie d'en profiter un max de jour, parce que pour YouTube, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis voilà quoi, non mais vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, quand on est en ville, on pourrait faire de nuit aussi, ouais. Par contre, ce genre... Alors, je vais être très honnête avec vous, je m'ouvre, mais parce que vous savez, je vous ai dit que les lives sur Euro Truck, ça me fait un peu chier. Mais parce que j'ai surtout des souvenirs quand c'est sur des grandes routes chiantes. Mais là, vous voyez ce genre d'endroit, là. Si on était en live, ça me ferait plaisir. Est-ce que je viens de dire que je vais peut-être faire des lives sur Euro Truck? Je ne sais pas. Je ne veux pas créer de faux espoirs. Mais dans des endroits comme ça, moi, ça me plairait de faire des lives, tu vois. C'est sympa, il se passe toujours quelque chose, on peut discuter ensemble, c'est pas genre juste monotone. Pardon, j'ai paniqué. Franchement, je m'en excuse avec le recul. Je sais clairement ce qui me plaît et ce qui me plaît pas. Je suis vraiment désolé pour American Truck Simulator, genre vraiment. Alors je sais qu'il y en a qui regarderont pas cette vidéo et qui verront pas mes excuses. Mais voilà, ceux qui attendaient American Truck Simulator, tu vois, j'ai fait 4 épisodes, je crois. Et j'ai abandonné, j'ai arrêté. Je suis vraiment désolé, mais moi je trouvais ça ultra stylé American Truck. Je pensais que ça allait me dépayser, tout ça et tout. Et ça m'a permis de faire des cinématiques très sympas. Et c'était ça qui me plaisait. En fait, c'était de créer du contenu finalement. Mais alors, par contre, à rouler, c'était juste pénible en fait. Tout monotone. Je suis désolé, hein, c'est très américain, les déserts, tout ça. Il y a des trucs très stylés aux États-Unis aussi. Mais voilà, je suis désolé, moi ça m'a lassé complètement. Et voilà, l'avion. Je sais pas si vous l'avez vu avec la caméra qui prend la place en haut à gauche, mais. Donc je suis vraiment désolé pour ça et voilà. Parce que je sais qu'il y en a qui sont très déçus que j'ai pas continué American Truck. Malgré que ça plaît moins que Euro Truck. Oh, c'est une agence de recrutement. Jolie voiture. Jolie voiture, mais connard de pilote. Bon alors les pompiers, franchement. Les gars. C'est. Ça va? Je vous dérange pas? Pourtant on me voit bien avec ma remorque hein, quand même. Hein. Hop là, je suis monté sur le trottoir, t'inquiète, c'est un Scania. Ah bon, donc voilà, mes excuses. Mes excuses en carton. Mais non, mais voilà quoi. Clairement, je le sais quoi, c'est pas terrible. J'aime pas ne pas terminer les choses, même si c'est quelque chose, comme dit, qu'on fait, tous et qu'on continuera de faire. Mais voilà. Allez, quelques ronds-points à faire et on sera arrivé. Il y a un train juste au-dessus de nous là, c'est quoi ça? On se croirait au Japon.
Enfin au Japon, je sais pas dans quel pays c'est, mais où il y a des trucs comme ça partout. Ah non, c'est juste un métro, c'est un tram, c'est... Je ne sais pas. Je ne connais pas. Bien voilà, on est arrivé. On est arrivé. Ah ouais, je m'en souviens. On avait déjà livré ici une fois. Hop. Bien sûr, je vais pas me limiter, les amis, à faire que des livraisons avec la remorque et mon compagnie, les gars. Je vous rassure. Alors là, on se fait plaisir parce que c'est stylé. On va en faire très régulièrement, la majorité. Mais voilà, il y aura des combos exceptionnels. Il y aura d'autres remorques. On refera la L7C Family. Surtout avec la remorque L7C Family, puisqu'on l'a pas encore fait. Et puis voilà, hein, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parce que sinon, ça va être très vite chiant. Bien que les livraisons sont assez variées. Donc ça, c'est sympa. Ok, on est... Oh ! À l'aéroport. Attendez, c'est pas là que y a l'aéroport dans un cargo ? Enfin, qu'on peut faire une livraison dans un cargo ? Non, c'est pas là. Je crois que c'est à l'aéroport de Rombas, si je dis pas de bêtises. Parce qu'en fait, ceux qui ont suivi l'actu de Grand Utopia, oui, je crois que c'est à Rombas. Ouais, c'est ça, là, il doit y avoir un aéroport. Je sais plus où l'aéroport de Rombas. Et il y a une livraison, en gros, dans un cargo, où tu rentres directement dans un avion, quoi, avec le camion. Stylé, hein ? Voilà. Ok, on va faire maintenant la manœuvre. Facile. Facile, facile. C'est parti, mon kiki. Regardez, moi je vous montre comment on fait. Et tout en vue intérieure, hein, bien sûr. Voilà. Tac. On entame la petite marche arrière. Je suis déjà parti dans le mauvais sens. Bonsoir. Allez, on est parti. Et là, regardez bien. Là, vous allez être sur le cucu. Pas du tout, mais c'est pas grave. Là, je vais peut-être un petit peu monter sur le trottoir. Ah ouais. Ah, j'ai peut-être un peu déconné. Attendez, je recommence. Couper ça au montage. Donc là, on met la marche arrière. Et on tourne pas plus que ça, voilà. En fait, parce que j'ai toujours l'habitude de trop tourner le volant, en fait. Et il faut pas. Et il faut pas, et il faut pas. Oh putain, là, je suis vraiment pas mal. Hein. Oh, là, je suis vraiment pas mal. Hein. Alors là, je suis vraiment pas mal. J'ai même presque envie de vous dire... On y va tranquille, hein. Voilà, c'est moi qui viens de freiner, hein. Je me suis pas pris un truc si jamais. Attendez, on va regarder en vue extérieure. Voilà, c'est pas mal, on va pouvoir ouvrir derrière, tout ça. Elle est jolie, la remorque. Eh bien voilà, messieurs, dames. Bam, 15 km, 28 minutes. 28 minutes ? Que le temps passe vite. Hein. Et du coup, voilà, du coup, pour les prochains épisodes, on va se giver de l'XP, donc vous l'aurez compris. Si ça ne vous dérange pas, évidemment, mais c'est pour avoir plus de thunes et avoir plus de livraisons possibles. Convoi exceptionnel, tout ça, c'est plutôt sympa. N'oubliez pas le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Pourquoi pas en live. Hey, c'était Mkolo. Ciao tout le monde.